La planification peut être définie comme l'action de planifier, c'est-à-dire l'action d'organiser dans le temps une succession d'actions. La planification ne suffit pas de lister ce qu'on est censé faire, mais de pouvoir placer ce que nous avons listé dans le temps. C'est aussi une planification, c'est le fait d'organiser des événements afin de réaliser un objectif particulier ou un projet. Il est important que nous soyons planifiés. Deuxième définition de la planification que j'ai trouvée aussi dans le dictionnaire, la planification est un processus qui fixe après étude et réflexion. La planification fait appel à la réflexion. Tu ne peux pas planifier sans avoir réfléchi. La réflexion. Il est important que tu penses. Il est important que tu réfléchisses. La réflexion prospective. Une réflexion prospective. C'est des définitions assez scientifiques, mais je vais les rendre simples. Prospective, c'est tourner vers le futur. Rétrospective, c'est tourner vers le passé. Donc, on ne parle pas d'une planification rétrospective parce qu'il s'agit du passé, mais d'une planification ou d'une réflexion prospective ou futuriste. Des objectifs que l'on doit atteindre. Les moyens nécessaires, les étapes, la réalisation et les méthodes de suivi de celles-ci. La planification, elle n'appelle pas simplement, je disais, au fait de lister les choses, mais de contextualiser ces événements dans un temps, de réfléchir aux moyens qui vont nous aider à appliquer ces choses, mais aussi les ressources dont nous avons besoin, les différentes étapes à franchir, sans oublier l'évaluation de ces choses. Et en tant qu'homme, en tant que conquérant, nous sommes appelés à planifier, à réfléchir. Une autre définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire que j'ai beaucoup aimé, c'est l'organisation dans le temps de la réalisation des objectifs. On voit également que la planification fait appel aux objectifs. Des objectifs. Je planifie, j'organise ces objectifs dans un temps, dans un domaine bien précis. Et il est important que nous puissions planifier, prioriser des choses dans un domaine bien précis. Dans chaque domaine de notre vie, nous devons avoir un plan, nous devons avoir des objectifs. Et au travers de cet enseignement d'aujourd'hui, qui est un peu plus scolaire, je vise 5 objectifs. Premièrement, c'est que nous sachions planifier et prioriser de manière plus efficace et plus productive. En tant qu'homme, tu dois apprendre à planifier et à prioriser. Je vois également que la planification fait appel à la priorité. Nous allons le voir certainement, si Dieu le veut, prochainement, dans la priorité à ce qui est important et ce qui est urgent. Ce qui est important, c'est ce qui cadre par rapport à la réalisation de vos objectifs personnels. Ce qui est urgent, c'est ce qui est relatif à l'autre. Ce n'est pas ce qui est urgent. Ce qui est urgent n'est pas relatif à votre propre vie, mais c'est ce qui est important pour l'autre. Ce qui est important pour l'autre est urgent pour vous. Mais ce qui est urgent pour vous n'est pas forcément ce qui est important. Donc voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, nous allons le voir très prochainement. Je vise un autre objectif, c'est de vaincre la procrastination. Le fait de remettre à demain ce qu'on est censé faire aujourd'hui. Nous devons penser, réfléchir et accomplir ces choses. C'est être en mesure d'organiser notre espace de travail et aussi le flux de travail pour mieux gérer le temps. Certaines personnes se retrouvent surchargées parce qu'elles ne savent pas gérer le temps. Lorsque vous apprendrez à bien gérer le temps, vous vous rendrez compte que vous avez beaucoup de temps à ne rien faire. Et gérer le temps, c'est tout un art. Planifier, c'est tout un art. Et au regard de toutes ces définitions, moi j'ai ma propre définition de la planification. Et je vous inviterai à écrire cela. Planifier, c'est écrire ce qu'on doit faire dans un temps bien précis. Je vais écrire ça. Planifier. Je vais essayer de me mettre comme ça vous allez voir. C'est d'abord écrire ce qu'on doit faire dans un temps bien précis. Par la suite, c'est de faire ce qu'on a écrit. Toujours dans un temps bien précis et à la fin, c'est d'écrire encore ce qu'on a fait selon le temps qui a été imparti. Et cette définition fait intervenir 3 choses. Premièrement,
D'abord, j'écris ce que je dois faire. Ça veut dire que je réfléchis, je visualise, c'est la visualisation. Après, je vais faire ce qui est écrit, c'est l'action. Donc, il ne suffit pas de rêver, mais après, il faut passer à l'action. C'est l'action. Et enfin, c'est d'écrire ce que j'ai fait selon le temps qui a été imparti. C'est la redevabilité ou la comptabilité. C'est l'évaluation. On va choisir un terme plus simple. Comme ça, nous allons rester dans la rime. C'est l'évaluation. D'accord ? Donc, lorsqu'on planifie, on visualise, on passe à l'action et on s'évalue. Une planification sans évaluation n'est pas une planification. Alors, cinq vérités par rapport à la planification. Je vais quand même essayer de pouvoir effacer pour avoir de l'espace. Cinq vérités à savoir au sujet de la planification, chers conquérants. Il y a une chose que mon épouse me dit souvent. Parfois, il m'arrive de rester dans le noir. Voilà, ça m'arrive très souvent. Je pense même, je ne sais pas si même le frère Yvonne peut se souvenir de cela. Parfois, il m'arrive de rester dans le noir dans une pièce. Ce n'est pas que je dors, mais je réfléchis. Je pense. Et quand il y a des idées qui me manquent, soit je prends mon téléphone ou j'écris. Souvent, je prends mon petit carnet jaune. Certains voient, j'ai un petit carnet jaune avec lequel je me balade souvent. J'ouvre le carnet et je mets à écrire. Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? Est-ce que tu es dans les réseaux sociaux ou est-ce que tu réfléchis? Après, il me dit, tu réfléchis sur quoi? J'ai dit, je réfléchis sur vous. Je réfléchis sur ma famille. Je réfléchis sur les objectifs que je dois mettre en place l'année prochaine, les cinq prochaines années. Cinq vérités à savoir sur la planification. Premièrement, le sage planifie et n'improvise pas. Le sage est celui qui planifie. La planification est l'apanage de la sagesse. Genèse 41 du verset 33 au verset 34. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Joseph n'a pas simplement interprété le rêve, mais il a également planifié ce qui devait être fait dans les sept années, durant les sept années d'abondance. Quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui planifie. La réussite ne s'improvise pas. Mais l'échec, par contre, peut être improvisé. Tu dors, tu te réveilles, tu vas te retrouver en train d'échouer. Mais la réussite, elle est planifiable. Si vous échouez dans la planification, vous avez planifié votre échec. Si vous échouez, je le redis conquérant, cher homme, là on parle des vraies choses. Si tu échoues dans la planification, tu as planifié ton échec. Quelles sont les idées que tu as? Peut-être que tu as arrêté de réfléchir, mais je prie qu'au sortir de notre rencontre et même de cette série d'enseignements, que tu réveilles ton cerveau endormi, que tu te mettes à réfléchir aux choses. La Bible dit, celui qui réfléchit les choses trouve le bonheur. Il y a un bonheur attaché à la réflexion, à la planification. Et j'aime bien ce que quelqu'un dit. Planifier, c'est gagner au même titre que respirer, c'est vivre. Si tu ne planifies pas, tu ne vis pas. En d'autres termes, tu dois planifier pour gagner. Si tu ne planifies pas, tu ne vivras pas. Je dois planifier ce que je vais faire d'ici les cinq prochaines années. Je dois planifier sur mon mariage. Je dois planifier sur ma réussite. J'arrive à un stade où maintenant je pense que la saison est là. Je me dis, d'ici 2 ans, je vais me marier. Voilà, la sœur est déjà, j'ai officialisé la relation, mais je m'accorde une année ou quelques mois. Pendant ce temps, je planifie. Je vois où j'aurai besoin. Est-ce qu'il faut payer la dot? Oui, la dot s'élève à combien? Qu'est-ce que j'ai en main? Qu'est-ce que je dois faire? La réussite, elle ne s'improvise pas. Je ne me lève pas le matin, je compose un examen. Je peux avoir un diplôme, je me lève le matin. Je me dis qu'il faut que je travaille. Chaque jour, il faudrait que je m'apporte 1 heure, 2 heures de réflexion, d'étude. Deuxième vérité, rien ne peut être fait sans planification. Rien. Même Dieu a planifié la création. Rien ne peut se faire sans planification. Luc 14, verset 28 au verset 29. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense
et voir s'il a de quoi la terminer. La suite, j'aime bien, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Oh, combien des bâtiments, nous venons tous des pays africains, nous voyons à combien beaucoup de bâtiments inachevés dans nos pays. Des tours qui ont commencé mais qui se sont arrêtés. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas eu le temps de s'asseoir, de calculer, de réfléchir, de planifier. Rien ne se fait sans planification. Rien, rien. Si vous n'avez pas une approche futuriste, vous ne pouvez pas atteindre ce futur. Je sais que beaucoup d'entre vous, certains les plus jeunes, n'ont pas peut-être suivi le film « Retour vers le futur ». Je ne sais pas si vous avez suivi, moi je me rappelle bien de ce film. Si vous n'avez pas une approche futuriste, quelqu'un qui est tourné vers ce qui est prospectif, vers l'avenir, vous ne pourrez pas atteindre cet avenir. Si vous passez votre temps à vous lamenter sur votre passé, vous êtes candidat à l'échec et à la mort. Prier sans planifier est une perte de temps. On nous a tout, voilà, certains pensent que oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Je dis prier sans planifier. Tu as prié, maintenant lève-toi et travaille. Isaac a prié, a cherché la face du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, reste à Guéra. Oui, ça c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est toute suffisante. Mais le fait qu'il plante à Guéra n'était pas la parole du Seigneur. Il avait réfléchi. Mais puisque la parole était là, cette parole en s'associant avec l'action, en s'associant avec l'activité, bien sûr, d'Isaac, qui était également signe d'obéissance, a produit la richesse. Troisième chose, la planification se fait dans le temps et elle exige une bonne gestion du temps. Nous parlons du temps, nous avons parlé du temps Kairos, nous avons parlé encore du temps, notre deuxième séance. Mais la planification, comme on l'a dit, ce n'est pas le fait de lister simplement les objectifs, c'est les succéder selon un ordre de temps bien précis. Une mauvaise gestion du temps aura pour semence le retard, l'improductivité, la procrastination, la surcharge du travail. Overburn, comme certaines les anglophones le disent. Tu deviens surchargé. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su gérer le temps. Tu n'as pas su bien gérer le temps. C'est la bonne gestion qui garantit des bons résultats. La mauvaise gestion garantit des mauvais résultats. La qualité de la gestion garantit la qualité du résultat. Quatrième vérité, votre capacité intellectuelle déterminera la capacité ou la qualité de votre planification. Je reviens. Votre capacité intellectuelle déterminera la qualité de votre planification. J'aime la Bible parce qu'elle a toutes les réponses. Proverbe 24, du verset 3 au verset 4. La Bible dit quoi? C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Il est donc impératif de se former, il est donc impératif de lire, de se documenter. Plus vous aurez des informations sur vous-même ou sur Dieu, je ne dirais pas correct, plus vous aurez une sainte révélation du Seigneur, et plus vous aurez des informations par rapport à votre domaine bien précis, à l'appel dans lequel vous êtes, voilà, l'appel ou le couloir que le Seigneur a préparé pour votre vie, vous serez mieux planifié. Quelqu'un qui n'a jamais fait médecine, tu ne vas pas lui demander de planifier, voilà, une opération chirurgicale, ça ne se fait pas. Il doit d'abord aller à l'école, se former, après avoir reçu des informations sur le domaine, il saura comment planifier sur la chose. Il est donc important, la planification appelle également à la formation. Cinquième vérité, la planification n'exclut pas l'évaluation. Une planification sans évaluation est une dévaluation évidente. Une planification sans évaluation entraîne à la dévaluation. Genèse 1 du verset 12 au verset 13. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux
leurs semences selon leurs espèces. J'aime bien ce credo qui revient tout le temps dans le livre de la Genèse, lors du récit de la création. La Bible dit « Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. » Dieu vit que cela était bon. Dieu, à la fin de chaque journée, évaluait ce qu'il avait fait et dit « Waouh, c'est bon, j'apprécie ce que j'ai fait. » Il est important de s'évaluer. Et nous verrons peut-être plus loin. Il est parfois important aussi de s'auto-récompenser. Quand tu accomplis quelque chose, parfois, il est important de se récompenser. Mais je ferme la parenthèse, nous restons sur les cinq vérités. Alors, comment planifier ? Comment planifier ? Maintenant, c'est la grande question. Ancien, tu nous parles beaucoup de choses. Cela paraît un peu théorique, c'est biblique. Mais moi, je veux quelque chose de pratique. Comment planifier ? Comment planifier ? Nous allons répondre à cette grande question. Comment planifier ? Comment planifier ? La toute première chose pour apprendre à planifier, premièrement, c'est de mettre en place des objectifs. Tu ne peux pas planifier tant que tu n'as pas d'objectifs. Première chose à faire, c'est, je préfère mettre grand A, mettre en place, je pense que le vert est visible, je pense, mettre en place des objectifs. Oh, j'aimerais bien qu'au sortir de ces moments, que tu puisses t'asseoir. Prends un temps où parfois tu t'enfermes. Une demi-journée dans une pièce. Moi, ça m'arrive souvent. Voilà, surtout avec cette période de confinement, je peux rester là pendant une heure, deux heures. Je réfléchis. Et il réfléchit à quoi ? Je réfléchis. Il est important que tu réfléchisses. Et après la réflexion, je vais prier. Parce que souvent, je tombe sur les choses, je me dis, ah, est-ce que c'est réalisable ? Seigneur, je prie. Mais je ne m'arrête pas de réfléchir. Mettre en place des objectifs. Avoir des objectifs est essentiel si l'on veut réussir son plan. Malheureusement, la plupart des personnes n'ont pas d'objectifs. Il m'est arrivé en tant que responsable parfois de demander à certains ouvriers ou même dans les ministères où je suis passé de préparer leurs objectifs de l'année. Mais certaines personnes me disaient « j'ai pas d'objectif ». C'est triste. Mais quand j'entends une telle chose, je suis meurtri au plus profond de moi. Parce qu'une personne qui n'a pas d'objectif est semblable à un navire qui n'a pas de gouvernail. Ça veut dire que tu es emporté au gré du vent, au gré de la tempête. Tu n'as pas de vision, tu n'as pas de frein. Proverbe 29, verset 18, pardon, la Bible dit, « Lorsqu'il n'y a point de vision, la version Martin, le peuple est abandonné. » Mais le bienheureux est celui qui garde la loi. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. Dans d'autres versions, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Premièrement, ayez des objectifs. Dans tous les domaines de votre vie. Sur le plan spirituel, je veux lire la Bible en un an. C'est un objectif. Sur le plan émotionnel, sur le plan conjugal, sur le plan familial, je veux officialiser ma relation cette année avec la sœur. Je veux me marier en 2020. Je veux fonder une famille en 2021. Sur le plan relationnel, sur le plan intellectuel, je veux lire un livre par mois. Je veux apprendre un nouveau mot par semaine. Je veux réussir avec mention. C'est un objectif. Sur le plan physique, je veux prendre du poids. D'autres, je veux perdre du poids, je veux faire du sport. Ça fait partie des objectifs, il faut les avoir. Il ne faut pas vivre comme ça, le matin tu te lèves. Déjà, à quelle heure tu t'es levé ce matin ? À quelle heure tu t'es levé ce matin ? Réponds-moi. Tu te lèves à 11h et tu espères que tu feras grande chose de ta vie durant les heures qui suivent. Réfléchis. Et l'établissement des objectifs vous place à la tête du peloton. Voilà, ceux qui suivent un peu l'athlétisme ou le cyclisme, il y a ce qu'on appelle le peloton, c'est le groupe des personnes qui sont un peu agglutinées, qui sont en train de courir. Mais lorsque vous êtes à la tête, vous êtes la personne qui impose la cadence. Celui qui a des objectifs est une personne qui devient comme un visionnaire.
Il suffit que celui qui a la tête du peloton accélère. Le peloton n'aura pas d'autre choix que d'accélérer. Sinon, ils seront derrière. Celui qui a la tête du peloton, c'est une personne qui devient comme une référence. Si tu n'as pas d'objectif, tu deviens un suiveur. Tu es là pour suivre les autres. Oh, on va aller comme ça. Allons-y. On va aller à droite. Allons-y quand même. Ah, ça marche comme ça. Allons-y. Non, tu deviens paresseux. Tu attends que les autres fassent des choses et toi, tu viens juste pour appliquer. Et très souvent, quand tu essaies d'appliquer, ça ne correspond même pas à ta vie et tu échoues. Et tu te plains en disant, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Frère, il est temps que tu aies des objectifs par rapport à ta vie. Ne sois pas paresseux, ne sois pas suiveur. N'occupe pas inutilement la terre. Ne sois pas une personne légère. Et malheureusement, la plupart des personnes certaines personnes disent que si tout ne va pas bien dans ma vie, c'est à cause des autres. C'est à cause du pays. Le pays ne nous a pas soutenus alors que nous étions à l'étranger. C'est à cause de mes parents. Mes parents m'ont maudit alors que j'étais dans la maison. Mais je pense qu'il est temps que tu sois maintenant responsable de ta vie, que tu arrêtes de te victimiser. L'avenir se définit en fonction le futur se définit en fonction des œuvres, des actes que tu poses aujourd'hui. Tu peux changer ton avenir en choisissant, non pas de te plaindre, mais maintenant à réfléchir et à compter sur la grâce de Dieu. En établissant nos objectifs, ils doivent obéir à trois règles. La toute première règle, c'est la règle des trois P. Je l'ai appelée la règle des trois P. Premièrement, je disais qu'il fallait mettre en place des objectifs. Et ces objectifs doivent obéir à la règle de 3P. Premièrement, c'est la règle des 3P. Le premier P veut dire quoi? Mes objectifs doivent être positifs. D'accord? Positifs. Tes objectifs doivent être positifs. Et même lorsque tu les formules, quand tu les écris, tes objectifs doivent être formulés de manière positive. Cela vous permettra de vous sentir bien lorsque vous serez en train de l'accomplir. Quand c'est un objectif négatif, ta conscience même te reproche. Mais quand c'est positif, tu te sens bien d'accomplir cette chose positive. Un tel objectif vous permettra de vivre et de travailler pour une cause et non pas être simplement un simple salarié. Quand ton objectif est positif, ce n'est pas tant la rémunération qui incombe ou qui importe, c'est plutôt la réalisation de la chose qui sera votre satisfaction. Parce que vous ne vivez plus pour juste avoir un salaire, mais pour une cause. Votre objectif doit être positif, quel que soit le domaine. À partir du moment où ton objectif devient égoïste, tu te disqualifies. Non, j'aimerais, sur le plan spirituel, j'aimerais vraiment avoir les dons, parce qu'on doit les sentir. Non, enfin, c'est-à-dire que tu es disqualifié. C'est égoïste. Tu es disqualifié. Non. Mes objectifs doivent être positifs. Premièrement, je donne un exemple. Je m'inscris à la fac de droit pour aider les personnes ayant des problèmes juridiques. C'est un objectif positif. Quand je regarde à la cause des personnes qui sont martyrisées, qui n'ont pas une personne qui peut parler pour eux, parce que c'est les plus forts, les plus riches qui ont une grande suprématie, qui peuvent exercer leur tyrannie sur les faibles, je me dis non, aujourd'hui, moi, je vivrai pour la cause des opprimés. Je vais aller à l'école, à la fac de droit. Le plus important pour moi, ce ne sera pas le cachet qu'on va me payer ou les honoraires que j'aurai à la fin, mais c'est de voir une telle personne pour qui le cas était désespéré, mais à la fin, la personne a été rétablie dans ses droits. Je vais faire médecine pour redonner le sourire aux personnes malades, malades de la sclérose en plaques, malades des maladies orphelines, et ainsi de suite. Je vis pour un objectif qui est positif. Deuxièmement, mon objectif doit être personnel. Personnel, c'est personnel. Mon objectif doit être personnel. Vos objectifs doivent être personnels parce qu'ils
ils doivent refléter vos rêves. Ils doivent refléter votre personnalité. J'insiste, ton objectif à toi ne doit pas être l'objectif de ton ami. Tu es là, l'ami vient te dire, ah non, tu sais, je pense à telle chose, je veux monter une telle structure. Et toi, tu te dis, ah, lui va faire ça. Moi aussi, je vais faire la même chose. N'avons-nous pas vu dans nos pays? Moi, ça arrivait très, j'ai grandi dans un quartier où il y avait trop de suivisme. Quand une personne lance un commerce et que la chose est en train de marcher, le voisin va reproduire la même chose. Mais ce ne sont pas les idées qui manquent. La même chose, vraiment la même chose, ce ne sont pas tes objectifs. Tu ne vis pas en fonction de ça. Vos objectifs doivent avoir l'empreinte ou l'odeur de votre identité. Non, quand même on voit tel objectif, on dit non, il n'y a que tel qui peut penser à une telle chose. Ça doit être en fonction de mes valeurs, de mes rêves, et non pas l'objectif de mes parents. Mes parents ont voulu que je puisse être ingénieur, moi je n'ai jamais voulu de cela, et je le suis par défaut. Vivez vos rêves, chers conquérants, vivez vos rêves. Si venir au Maroc, tu étais venu pour un objectif, je dirais plutôt de suivisme, parce que tu as appris qu'en allant dans un tel pays, tu auras des opportunités, alors qu'au fond, Dieu ne t'a pas appelé à cela. Bien-aimé, tu es sur une mauvaise pente. Si le Seigneur ne vient pas manifester sa grâce dans ta vie en te restaurant, sois-en sûr que tu t'es inscrit déjà sur le chemin de l'échec. Mes objectifs doivent être personnels. Ça doit refléter mes rêves, non pas les objectifs de mes amis, de mes parents, et même pas ceux des médias. Aujourd'hui, tu t'assieds, tu regardes, ah, actuellement, c'est ça qui marche, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de pubs dans ce domaine, donc je pense que je vais me lancer là-dessus. Non. Je m'adresse aux parents et aux futurs parents. Ne cherchez pas à revivre une vocation ratée au travers de vos enfants. N'imposez pas non plus à vos enfants ce que vous voulez que vos enfants puissent être. Lorsque tu établis des objectifs personnels, tu dois utiliser le pronom personnel « je ». Vous ne devez pas utiliser le pronom indéfini « on ». Quand tu écris « je vais faire ceci », c'est important. Votre subconscient vous dit, à partir de ce moment-là, vous vous engagez à quelque chose. Et à la fin, vous en tirez une satisfaction. C'est très important. Non, on va que non, non, on ne va pas. On s'est dit. Je vais fonder une école pour les enfants abandonnés ou qui sont issus des viols. Je vais faire cela. Lorsque vos objectifs sont personnels, vous serez très motivé à réussir et à être fier de votre accomplissement. Arrêtez de faire le copier-coller. Le copier-coller, c'est pas ce qui est personnel. Vous savez pourquoi? Parce que les conditions qui ont favorisé la mise en place de ce modèle que vous voulez imiter ne correspondent pas à votre vie. Vous devez plutôt copier intelligemment, c'est-à-dire je copie, j'adapte en fonction des ressources que j'ai, du contexte dans lequel je suis, des moyens que j'ai, et je le mets en place. Beaucoup de pays aujourd'hui ont échoué en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu copier un modèle qui ne correspondait pas à leur histoire. Un modèle économique qui ne correspond même pas à votre histoire. Le capitalisme et toutes ces choses, le socialisme, le communisme. Les Africains, lorsque vous revenez à l'histoire de l'Afrique, est-ce que ces choses existaient? Non. Je ferme la parenthèse, je ne veux pas rentrer dans ces choses-là. Après, vous direz que l'ancien dit des choses. Arrêtez de copier-coller, car les circonstances qui ont favorisé la mise en place du modèle que vous désirez copier ne correspondent pas ou ne sont pas les vôtres. Copiez avec intelligence. Troisième chose, troisième P, c'est possible. Le premier P, c'est positif. Deuxième P, c'est personnel. Et le troisième P, c'est la possibilité. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible? Lorsque vous mettez en place vos objectifs, assurez-vous qu'ils sont possibles avec les ressources que vous disposez maintenant. Il ne faut pas planifier
L'endettement, ça ne se planifie pas, mon ami. Oh, je fais ça, je sais que quand je vais aller voir le frère David, il va me donner au moins 100 ici. Le frère Julien me donnera au moins 200 par là. Je vais aller à Nantes, il va me donner 1000 côté. Je vais rassembler, ça sera mon fonds de commerce, mon ami. C'est pas ça. Est-ce que c'est possible avec les ressources que je dispose maintenant? Si j'ai que 100, je planifie en fonction de 100 tout en comptant sur la grâce du Seigneur. Je ne planifie pas l'endettement, je ne planifie pas le crédit. Beaucoup de personnes se sont retrouvées avec des problèmes dans la justice. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à se lancer sur des choses, des élucubrations. Tu penses, tu dis j'ai pensé, mais après tu n'as pas prié. Après même que tu n'as pas prié, tu t'es dit bon je vais vivre au fond au-delà. Non, c'est pas ça. En fonction des moyens que j'ai, est-ce que c'est possible avec les moyens que j'ai aujourd'hui? Je ne pense pas pouvoir m'endetter, non. Loin de moi l'esprit de crédit. Luc 14, verset 28, que nous avons lu, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, s'assied d'abord, premièrement, pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer. » Même par la suite, on dit, si quelqu'un veut engager une guerre, il doit d'abord être sûr de l'armement qu'il a. Avant de pouvoir, s'il se sent qu'il rencontre, j'ai pas autant d'hommes, je préfère dépêcher un émissaire en ambassade pour négocier, demander la paix. C'est comme ça que ça se passe. Je ne vous demande pas de ne plus avoir des rêves qui vous dépassent, non. Lorsque vous planifiez vos rêves, dans la mesure où, ça on le verra comment prioriser les choses. Je ne veux pas trop anticiper par rapport à la prochaine session, mais même après avoir planifié, il y a le côté où je dois prioriser. Qu'est-ce qui passe en premier d'abord? En fonction des moyens que j'ai aujourd'hui. Frère, il faut planifier avec sagesse. Objectif positif. Objectif personnel. C'est moi, c'est mon identité, c'est ma vie. C'est mon appel. Objectif possible. Je vais faire médecine, je vais être médecin, mais avant tout, il faut que j'aie le bac et après, il faut que je rentre dans la fac de médecine. Mais si je n'ai pas le bac, est-ce que c'est possible d'être médecin? Non. La possibilité vous pousse à mettre en place les moyens nécessaires ou les ressources pour atteindre vos objectifs. Deuxième règle, c'est la règle que j'ai appelée SMAPO. C'est un peu, voilà, on va l'appeler la règle de SMAPO. C'est un acronyme. Hein? Il y a la règle des 3P, il y a aussi la règle SMAPO. Premièrement, mon objectif doit être spécifique. Spécifique. Les objectifs vagues produisent des résultats qui sont vagues. Il faut avoir des objectifs clairs et spécifiques. Et une des choses que vous devez souvent faire lorsque les temps difficiles arrivent par rapport à vos objectifs, c'est de lister les bénéfices qui émanent de l'accomplissement de ces choses. Vous dites, oui, je veux certes être médecin, ou être un businessman. Voilà, ça c'est le but que j'ai. Mais maintenant, je n'ai que 1 dirham, alors que je rêve d'être un milliardaire. Pense maintenant au bénéfice de tout ce qui peut découler de ce que tu veux être. C'est ce que Jésus a fait. C'était la croix. Et quand il a vu la joie qui était attachée, il est allé jusqu'au bout. Quand il a vu le nombre des personnes qui seraient sauvées au travers de cette œuvre, il a dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Vos objectifs doivent être clairs. Vous devez être en mesure de pouvoir le décrire en une seule phrase. Pas des explications, non, je veux ceci, je veux cela, au fond, on ne sait même plus qu'est-ce que tu veux. Explicite par rapport à ce que vous voulez. Si vous n'avez pas d'objectif spécifique et clair par rapport à votre vie, vous avez encore le temps aujourd'hui, demain, les jours qui suivent, de vous asseoir et de commencer à prier et aussi de commencer à réfléchir. J'aimerais beaucoup prier. Ce n'est pas un objectif spécifique.
J'aimerais beaucoup prier, ce n'est pas spécifique. J'aimerais prier autant d'heures par jour. Ça, c'est spécifique. J'aimerais réussir dans la vie. Ce n'est pas un objectif spécifique. Tout le monde veut réussir dans la vie. Je veux réussir dans tel domaine de ma vie. Et je vais encore plus loin. Être spécialiste par rapport à ce domaine, par rapport à un couloir bien précis. Même si on est 1000 pharmaciens, mais j'aurai ma particularité. Même si on est 1000 ingénieurs, j'aurai ma particularité. Même si on est 1000 sportifs, j'aurai ma spécificité. Quelle est ta spécialité? Quelle est ta spécificité? Deuxième chose, vos objectifs doivent être aussi mesurables. Je vais rajouter un S parce qu'il s'agit des objectifs mesurables. Mesurables. Vos objectifs devront être mesurables, c'est-à-dire, est-ce que l'on peut apprécier la progression ou la réalisation? Je donne un exemple simple. J'aimerais avoir 120 000 dirhams d'épargne à la fin de cette année 2020. N'est-ce pas un très bel exemple? 120 000 dirhams d'épargne, j'ai tout dépensé, mais c'est 120 000, 12 000 euros. Alors que j'ai des revenus de 20 000 dirhams. Là, maintenant, les gens disent, ah, 20 000 dirhams de revenus, hey, de salaire. Aïe. Alors que j'ai un revenu mensuel de 20 000 dirhams, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois épargner 10 000 dirhams par mois, depuis le mois de janvier, n'est-ce pas? C'est à cela qu'on dira que ces objectifs sont mesurables. Lorsque je reviendrai en février, je dois trouver 20 000. Lorsque je arriverai en fin juillet, je dois trouver 70 000, et ainsi de suite. Mes objectifs doivent être mesurables. On doit apprécier la progression, on doit apprécier la réalisation. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis par rapport à mon objectif final? D'ici 5 ans, j'ai prévu avoir telle chose. J'ai prévu être ingénieur. Mais est-ce que, lorsqu'on viendra faire l'évaluation de la troisième année, est-ce que je serai en troisième année ou je serai encore en première année en train de redoubler? L'absence d'évaluation, je me disais, entraîne la dévaluation. Troisième chose, oui, c'est atteignable. Atteignable. Il faut que mes objectifs soient atteignables. Les objectifs doivent être atteignables. Atteignable, ça veut dire quoi? Conquérant. Dis à ton voisin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes objectifs doivent être réalistes. Et des objectifs que je peux atteindre. Lorsque tu as des objectifs irréalistes, ces objectifs vont te démolir et te démotiver. Un bon objectif est un objectif qui te challenge. Donc, atteignable, je voudrais bien ajouter le mot challenge. Ce n'est pas forcément quelque chose que je sais faire aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui va me pousser à sortir de ma zone de confort. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais appris des nouvelles choses, je serais sorti de ce que je sais naturellement faire pour aller vers des choses que je ne sais pas faire. Et en fin de compte, j'aurai atteint un objectif, mais je me serai également formé. C'est atteignable, c'est réaliste. Même si aujourd'hui, je ne dispose pas forcément du bagage ou de l'arsenal qu'il faut pour l'atteindre, mais ça reste un objectif atteignable. Un objectif qui me challenge. Quatrième chose, mes objectifs doivent être pertinents. Pertinents. Ah, il faut se poser des questions. Waouh! Donc, quand on met en place des objectifs, il faut repasser tout ça. Oui, c'est important. Il faut s'asseoir et calculer. C'est important. Passe plus de temps à réfléchir sur tes objectifs que d'être pressé à pouvoir les proposer. Parce que vous devez être en mesure de répondre à toutes les questions. Aujourd'hui, vous serez en face d'une personne qui vous pose, oui, voilà, vous avez rencontré, c'est peut-être une connexion de destinée, mais la personne vous demande, je te donne 30 secondes, parle-moi de ton plan de vie en 30 secondes. Tu dois être en mesure de repasser tout ça en quelques phrases. Ta, 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 ta. Tu sais dans quel ordre tu vas donner ces choses. Il y a des occasions qui n'arrivent qu'une ou deux fois dans la vie. Et quand tu les rates, tu les rates.
faudra pas que ça arrive comme Jésus qui a pleuré devant Jérusalem en disant « Tu n'as pas connu le temps de ta visitation. » Ça ne sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Pertinent. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, il faut que je puisse m'asseoir et voir si les objectifs cadrent avec mon appel de vie. Est-ce qu'avec ces objectifs cadrent avec ma raison de vivre? Par pertinent, je vois quelque chose qui rentre dans votre ADN. Quelque chose que, lorsque vous accomplissez la chose, vous êtes dans une certaine joie d'avoir accompli quelque chose d'important. Et quelque chose qui ne transforme pas simplement votre vie, mais qui transforme également votre environnement, votre quotidien. J'aimerais vous dire une chose, les objectifs n'ont pas en eux-mêmes le pouvoir de nous rendre heureux. Tu peux avoir 1000 objectifs, mais lorsque tu accomplis des objectifs qui rentrent dans le cadre de ton appel ou de ta vocation, alors tu seras heureux. Donc quand tu es en train de faire ces tris d'objectifs que j'ai dans la vie, est-ce que ces objectifs rentrent dans le cadre de l'appel que Dieu a préparé pour moi? Si ce n'est pas le cas, mets ça de côté. Tu ne seras pas distingué dans ce domaine. Tu ne vas faire que perdre du temps. Ce n'est pas ton pouvoir. Troisième chose, ou plutôt cinquième chose, opportun. Opportun, vous vous rappelez encore de ça, opportunité. Opportun. C'est là qu'on voit au temps. Opportun. Les objectifs doivent être opportuns. Ça veut dire que je dois me fixer des délais, des deadlines. Ce n'est pas que je me lance comme ça. Moi, il y a une chose que je fais souvent au travail. On me dit non, j'aurais besoin que tu fasses ça, ça, ça. La chose que je dis toujours, c'est quoi le délai? Tu as besoin de ça quand? Parce qu'aussi longtemps que tu ne m'as pas donné un délai, mon cerveau ne s'active pas. C'est comme ça que je suis. Quand tu me donnes une date, automatiquement, mon cerveau, même quand je dors, j'ai la date qui me dit, tu sais, le vendredi, tu dois rendre le rapport. Le lundi, tu dois rendre tel document. Et tu dois travailler pour cela. Et tant que tu n'as pas de délai fixe par rapport aux objectifs que tu dois atteindre, bien aimé, tu vas te perdre. Il est important. Lorsque tu te fixes des délais, ton cerveau se met à travailler, même durant la nuit. Et cela te permettra de rapprocher de la réalisation. Genèse 2, du verset 1 au verset 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il a faite. Il se reposa au septième jour et toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu a même fixé dans sa pensée quand est-ce que la création devait finir. C'est dur, on se lance, on va construire le ciel et la terre, on se lance, chaque jour je ferme. Non, 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 il a dit non. Je vais faire en six jours, au septième jour je me repose. Ainsi, c'était le plan de Dieu. Dieu avait planifié. Et chaque jour, il disait, quand il disait que c'était bon, c'est qu'il avait un objectif chaque jour. J'ai atteint mon objectif du jour. J'ai atteint mon objectif du deuxième jour. Et c'est bon. J'ai atteint mon... À la fin, c'est très bon. Et il s'est dit, maintenant, je me repose. Très souvent, tu t'accordes le repos alors que tu n'as même pas travaillé. Ton repos, tu dois le mériter, cher frère. Un repos interminable. Depuis, tu es toujours dans le repos. Tu ne fais que dormir. J'insiste. Tu dois sortir de ton sommeil. Ne fût-ce que commence à réfléchir. Commence à planifier. Nous avons vu quoi? Comment mettre en place des objectifs? Il fallait avoir la règle des 3 P. Positif. Il faut les formuler de manière positive. Il faut personnel. Il faut que ça soit par rapport à votre propre vie, non pas quelque chose que tu as emprunté. Quelque chose de possible, la possibilité vous renvoie aux ressources que vous devez mettre en place. La règle de SMAPO, spécifique, claire, quelque chose de concis et non pas quelque chose de vague, mesurable. Je dois évaluer la progression chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Je dois toujours m'évaluer. Et j'ouvre une parenthèse, plus vous vous évaluerez, plus vous réussirez. Moins d'évaluation, le risque d'échec est énorme. Parce qu'à chaque fois qu'on s'évalue, à chaque fois qu'on se mesure, on a la possibilité de réajuster le tir. Il faut s'évaluer. Dieu s'évalue chaque jour.
chaque soir, atteignable? Est-ce que ça me challenge? Est-ce que c'est quelque chose de réaliste, pertinent? Est-ce que c'est quelque chose qui cadre avec ma vie, avec mon appel, avec ma destinée? Est-ce que c'est quelque chose qui me rend heureux en fin de compte? Est-ce que c'est opportun? Est-ce que j'ai un délai, une date butoir? Troisième chose, c'est la visualisation. Aujourd'hui, je voulais être un peu plus pratique. La visualisation ou l'imagination. Ah, j'aime bien ce verset de Joël 2:28. Ces derniers temps, j'ai beaucoup lu ce verset. J'ai découvert beaucoup de choses. En tant que jeune, nous devons avoir des visions. Nous devons visualiser les choses. Et la vision est tournée vers l'avenir. Tu ne dois pas tout le temps être en train de... J'ouvre une parenthèse. Tu es là, tu rêves. Des fois, quand tu fais des rêves, tu te retrouves toujours chez toi au pays. Dans des rêves, des schémas qui datent. Moi, quand je fais un rêve comme ça, je me lève, je dis au nom de Jésus, je condamne cela. Je ne peux pas rêver tout le temps de me retrouver par rapport au passé, aux choses qui se sont passées, à des gens qui sont... Non, 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 non. Quand tu rêves ce genre de choses, il est important que tu te lèves dans la prière. Tu dis non au nom de Jésus. Je ne suis pas censé faire les rêves du passé. Ça, c'est peut-être les vieillards qui doivent le faire. Je ferme la parenthèse. Moi, je dois avoir des visions. Je dois réfléchir. Je dois visualiser les choses. Parce qu'une chose que tu n'as pas vue, tu ne peux pas l'attendre. Quelque chose que tu n'as pas vu, même spirituellement, tu ne sauras pas comment l'attendre. Tu ne sauras pas comment te préparer pour la recevoir. Il faudra visualiser vos objectifs. Cela vous aidera à créer et à matérialiser ce désir dans votre vie. Plus tu penses à la chose, voilà, plus tu penses à la chose, tu vas se dire, non, il faut que je passe à l'action. Il faut que je passe à l'action, il faut que je passe à l'action. Comment, je ne sais pas, mais je dois commencer quelque part. Je sens au plus profond de moi que si je ne pose pas un acte, je suis en train de vivre, de passer à côté de l'instant T de ma vie. Je dois réfléchir, mais je dois avant tout visualiser. Je dois imaginer. Il y a une force dans l'imagination. Je dois imaginer. Parfois, il est important, de temps en temps, quand même tu marches. Moi, ça m'arrive. Parfois, je dis, je vais marcher dans les beaux quartiers. C'est bien, tu regardes une maison, tu visualises la maison. Tu dis, ah, ça, c'est une belle maison. Moi aussi, je vais avoir une telle maison pour moi. Je visualise la maison. Une fois même arrivé, je dormais. J'ai une vision de la maison que je devais avoir. Tout de suite, je me suis levé, j'ai commencé à dessiner. À l'époque, il y avait un frère qui était avec nous, qui était à l'intercession et par la suite à la rançon et tout. Je lui ai dit, il était à l'architecte, je lui ai dit, voici le plan que j'ai fait, voici ce que j'ai rêvé. Nous allons travailler sur le plan de ma maison. On a travaillé pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'on a ressorti le plan. Et une chose qui vous aidera à bien visualiser la chose et également en vous, un tableau de bord d'imagination. Je m'explique, vous avez dans la maison un mur où vous avez peut-être, vous ne savez pas, ce n'est pas votre maison, vous ne pouvez pas percer les choses, vous avez peut-être un dossier où c'est écrit visualisation des choses qui viennent. Ça veut dire que vous avez peut-être la photo de la maison que vous devriez avoir, la voiture que vous aimeriez avoir. Je donne juste des choses simples. Le plan de l'orphelinat que vous voulez construire, de l'école que vous voulez construire, et de temps en temps vous revenez. Lorsque tu pries, parfois tu pries en fonction de ça. C'est la même chose que tu fais lorsque tu ouvres le livre des promesses ou ton cahier des promesses et tu es en train de prier en fonction des promesses. Dieu, tu avais dit ça. Seigneur, tu m'avais aussi montré ça. J'avais vu ça en rêve. Voici le rêve que tu m'as montré. Je pense que même Joseph, ce n'est pas dit, ça c'est moi qui le dis, alors qu'il s'en allait en Égypte, de temps en temps, chaque année, pensait au rêve que Dieu lui avait donné. Ah, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je me souviens qu'il y avait le soleil, la lune qui m'avait entouré, que c'était prosté. Je me souviens que les gerbes des frères de mon frère c'était prosterné autour de moi. Réfléchissez, postez sur vos murs et ce genre de choses. Pas seulement les photos du passé, quand j'étais, c'est bon, c'est fini. Voilà, quand j'avais 10 ans, ah, j'avais encore les cheveux, oui, je ne suis plus dans ça, même si je suis en train de perdre les cheveux, mais je pense à l'avenir, conquérant, dis amen. N'arrêtez pas de rêver et de penser. Faites travailler votre imagination. Écrivez vos rêves et réalisez-les. Et surtout, priez.
Planifiez vos rêves. Je disais qu'on ne peut pas s'attendre à quelque chose qu'on n'a pas vu. Lorsque tu marches parfois, il faut toujours avoir avec toi quelque chose de quoi pouvoir écrire. Quand une idée te monte dans la tête ou que tu as une image, tu dessines, tu laisses. Genèse 15, verset 5. Il s'agit d'Abraham. Après l'avoir conduit dehors, le Seigneur a conduit Abraham dehors. Il dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Dans cette verset, Abraham crut et il lui imputa à justice. Dieu lui déclara en tant que juste parce qu'il avait cru. Il a cru pourquoi? Parce qu'il avait vu. Il a regardé. Le Seigneur dit, non, non, aussi longtemps que tu restes dans ta tente, tu vas toujours voir Eliezer de Damas. Hein? Aussi longtemps que tu restes en train de penser toujours à voilà, ta petite vie, voilà, moi, ma petite vie, mes parents ont fait ceci, tu vas te construire une vie minable et médiocre. Mais le Seigneur dit, non, non, il est temps que tu sortes. Sors un peu de ta tente. Dis, Seigneur, fais-moi sortir de ma tente. Permets-moi de contempler les étoiles, de regarder le ciel. Il a vu le nombre important des étoiles. Le Seigneur dit, oui, tel sera le nombre de ta postérité. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Et quand il a vu ce nombre important, spirituellement même, il a vu même le sable de la mer, toutes ces choses. C'est qu'il pouvait maintenant avoir confiance au Seigneur en disant, il va accomplir telle chose. Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Quelle est la nature de tes rêves aujourd'hui? Quelle est la nature de tes rêves? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois autour de toi misère? Est-ce que tu vois autour de toi pauvreté? Ou est-ce que tu vois autour de toi étoile? Est-ce que tu vois autour de toi sable de la mer? Est-ce que tu vois autour de toi nation? Est-ce que tu vois autour de toi, lorsque tu regardes la carte de ton pays, tu te dis, waouh, voici les différentes régions que le Seigneur me donne. Je place même la carte du pays dans la maison. Et je mets des points là où je vais m'implanter, là où ma structure va s'implanter, là où l'église va s'étendre. Une chose qu'on ne peut pas vous empêcher de ne pas faire, c'est de... On ne peut pas vous empêcher d'imaginer. Tu peux rentrer dans, un peu comme dans, je veux dire, entre guillemets, dans ce monde imaginaire où tu réfléchis. Personne ne va t'empêcher de le faire. On peut t'empêcher de parler, mais on ne peut pas t'empêcher d'imaginer, de visualiser les choses. En conclusion de mon intervention, j'aimerais te dire, la matière première pour la planification, c'est ton cerveau. Ce n'est pas le jeûne et prière de 40 jours que tu as à faire. Oui, tu as bien fait. Maintenant, utilise ton cerveau. Vous devez raisonner, réfléchir. Tout grand planificateur est un grand penseur. Je ne te demande pas de devenir un philosophe. Non, 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 non. Pense destinée. Pense destinée. Proverbe 16, verset 20, je l'avais dit en introduction. Celui qui réfléchit des choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit des choses, celui qui médite sur les choses, il trouve le bonheur. Réfléchis. Joseph planifia les 14 prochaines années. Il a vu. Il a eu l'interprétation, il a donné la sagesse. Il a dit, il faut épargner. Que planifies-tu pour les prochaines années? Sur le plan financier, comment se trouve ton portefeuille en termes de planification? Sur le plan émotionnel, tu dis, tu vas te marier, mais tu es là assis, tu ne fais rien. Même celui qui est déjà engagé, qui veut se marier, mais tu es là, tu n'épargnes pas. Priez même, c'est autre chose. Commencez à réveiller vos cerveaux endormis. Si c'est le cas pour vous, réveillez ce cerveau. Permettez au Saint-Esprit de l'utiliser pour la gloire du Seigneur. Nous aimons les révélations. Le Saint-Esprit s'appelle également l'esprit de sagesse et d'intelligence. Il veut coopérer avec ton cerveau aussi. L'utilisation de ton cerveau déterminera la qualité de ta planification. Quelqu'un qui planifie bien a un cerveau qui fonctionne bien.
Quel est ton passe-temps favori? Je te donne 5 secondes. Quel est ton passe-temps favori? Est-ce que c'est derrière le téléphone? En regardant la vie des autres? Je reviendrai toujours à cet exemple. Ça fait 3 fois que je le dis. En regardant la vie des autres? Ou est-ce que c'est parfois tu es là à côté? Tu as ton cahier là. Tu es dans une pièce sombre et tu réfléchis. Et après, tu écris. Commence à penser que personne ne pense à ta place, que personne ne planifie à votre place. 3 choses à retenir, les 3 P. Positif, personnel, possible, SMAPO, spécifique, mesurable, atteignable, pertinent, opportun. Une dernière chose, la visualisation, l'imagination. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais bien que tu te lèves là où tu es. Tu vas prier. J'aimerais nous inviter premièrement à nous repentir du fait que nous n'ayons pas eu d'objectif. Et même si nous en avons eu, mais c'est des objectifs qui étaient purement égoïstes, tournés vers nous-mêmes. Aussi longtemps que Anne pensait que son... se disait, oui, je vais avoir un enfant, je vais montrer à Pénina que moi aussi je peux avoir un enfant. Anne était stérile, mais lorsqu'elle a discerné et qu'elle a vu que la maison de Dieu, le temple de Dieu, elle était dans un désordre, que mon enfant, je vais le consacrer afin qu'il puisse redorer le blason du service ou du sacerdoce, Dieu a exaucé. Tourne-toi vers le Seigneur, dis Seigneur, des objectifs qui ne cadrent pas avec ta volonté par rapport à ma vie, Seigneur, enlève cela. Mets en moi cette disposition de penser aux choses que toi tu veux que j'accomplisse. Il y a des choses que tu as déjà dites dans ta parole, il y a vraiment des choses que tu aimerais que je puisse faire monter de mon cœur après une communion profonde avec toi. Bien aimé, est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Demande pardon au Seigneur. Demande pardon pour les objectifs que tu as eus. Depuis tout le temps que tu as eu ces objectifs, tu t'es rendu compte qu'aucun de ces objectifs ne se sont réalisés. Et même si c'était un objectif qui était du Seigneur, mais tu n'as pas été dans l'obéissance. Tu as choisi de pouvoir court-circuiter Dieu en accomplissant les choses par tes propres efforts. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon encore. En tant que conquérants, nous revenons vers toi pour remettre à plat les choses. Nous avons planifié, nous avons eu des objectifs qui ne t'ont pas glorifié. D'autres même n'ont pas eu d'objectif du tout. Et vivait du jour au lendemain, comme si, comme un animal, ne sachant pas qu'est-ce qui va arriver. On dormait plus, on ne travaillait même pas. D'autres étudiants même attendaient la dernière minute pour étudier, alors que tu les as appelés à exceller, mais ils se sont contentés de la médiocrité. Seigneur, viens restaurer nos vies, viens restaurer la vie d'un conquérant. Je prie, Seigneur, que le cerveau de quelqu'un se réactive. Je prie qu'en ce jour, que quelqu'un se lève et commence à avoir des objectifs par rapport à chaque domaine de sa vie. Je prie en ce jour, Seigneur, que quelqu'un puisse avoir des objectifs qui sont positifs, qui sont personnels, qui cadrent par rapport à l'appel que tu as pour lui, qui cadrent par rapport à la personnalité, que personne ne soit dans le copier-coller ou dans le suivisme, Seigneur. Tu nous appelles à être la tête, à être à la tête du peloton. Seigneur, le monde, nous ne devons pas suivre le courant du monde, nous ne devons pas suivre le marché selon le courant du monde, mais tu nous appelles à marcher à contre-courant, Seigneur. Tu nous appelles à être la référence, à être, Seigneur, toujours... à être ces visionnaires, ces personnes que les gens peuvent suivre et non pas les personnes qui suivent les autres. Seigneur, aide-nous également à avoir des objectifs qui sont possibles. Seigneur, à ne pas nous sombrer dans des choses qui ne cadrent même pas avec ce à quoi tu as préparé pour notre vie, Seigneur. J'aimerais rester dans le couloir que tu as préparé pour moi au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Seigneur, tu ne fais pas des choses au hasard. Tout ce que tu fais est spécifique. Seigneur, tout ce que tu as fait était mesurable même durant la création. Et nous voulons également agir comme toi, faire comme toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour nos objectifs que tu restaures. Merci pour nos vies que tu restaures. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.
excellent week-end. Nothing like your presence, Lord. All I